cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat, as told by its professors. Je pense que malheureusement, l'évolution de la boxe française
Pour ma part, ma plus grosse déception, ça a été de ne pas participer aux Jeux Olympiques, que cette discipline ne soit pas olympique. On y a tous cru en 92, je crois. On pensait être aux Jeux Olympiques et c'était donc finalement le taekwondo. Et là, à ce moment-là, on comprend tous qu'on ne sera jamais discipline olympique et c'est la déception pour un sport amateur. Donc, Hervé Brandet, moi-même et plusieurs compétiteurs, on propose à la fédération une discipline professionnelle, c'est-à-dire d'apporter une fédération professionnelle, c'est-à-dire des combats intéressés des médias et avoir des combats en 12 rounds, donc avec des ceintures mondiales et ainsi de suite. Apporter à la fédération une structure professionnelle, une autre forme de combat. Pour nous, l'évolution peut arriver qu'à ce but, c'est tout simplement. On ne peut pas rester dans ce cursus amateur sans évolution. Et la fédération rejette notre proposition complètement en bloc. Et de ce fait, enfin, en tout cas pour ma part, je pars vers le kickboxing. Où là, j'ai d'autres opportunités et un choix dans d'autres combattants. Là, d'un seul coup, tout s'était refermé au niveau de la boxe française. Je garde toujours dans ma passion ce sport, de toute façon, puisque même quand je suis passé au kickboxing ou à la boxe thaïlandaise, la base du sport de combat reste la boxe française, dans mon déplacement, dans mon placement, après, la capacité d'adapter les distances et les armes en fonction des disciplines. J'ai aussi bien pratiqué la boxe anglaise que le kick ou la boxe thaï, donc ça n'a pas posé de problème. Et ça a été pour moi une possibilité de continuer jusqu'en 1998, où je mets terme à la compétition sur un dernier championnat du monde. Et je vais m'arrêter là, tout simplement. J'ai beaucoup regardé des combats des anciens boxeurs, mes boxeurs privilégiés, ceux que j'ai admirés pendant de nombreuses années, étant enfant aussi. J'ai aimé Rechugar Leonard. C'est vrai que cette façon de boxer, cette technique, cette tactique, cette stratégie de combat, je l'ai mangée, je l'ai vraiment acceptée et incorporée dans ma façon de boxer, puisqu'elle est pour moi l'idéal, c'est-à-dire de toucher sans être touché, la base de la boxe. Et pour ça demande beaucoup de travail. Et à chaque fois qu'on pouvait voir des Mohamed Ali, ou des Ray Sugar Leonard, ou même un Richard Sia, qui reste pour moi des références. Ça reste vraiment des très grosses références et ils m'ont inspiré beaucoup dans ma boxe. Et je me suis entraîné toujours avec cet objectif-là de travailler très dur, ne pas se faire toucher, il n'y a rien de plus dur. C'est vraiment un travail de titan. Et pour pouvoir contre-attaquer derrière, c'est encore plus dur. Donc, c'est ce qui a fait cette passion et cette envie de m'entraîner régulièrement tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour devenir l'élite, de toute façon. Mon objectif étant jeune, c'était d'être champion. Je le rêvais intérieurement, je ne le disais pas, mais je travaillais pour ça, pour être le meilleur. C'est ce que je pense avoir réussi à faire. Peut-être pas le meilleur, meilleur, meilleur. Je respecte tous les adversaires que j'ai eus et bon, qui m'ont battu. Ma première défaite, je l'ai rencontrée face à Manu Wuxi, que j'admire énormément. Donc c'est des personnes. Chaque défaite m'a permis de retravailler mes défauts. On fait beaucoup d'erreurs, donc il faut travailler que sur les erreurs. On ne doit pas se servir que de ce qu'on sait faire. Chaque petite erreur, c'est un travail à faire pour l'effacer. Hervé Brandet avait une parole très sage, c'est que la boxe
n'a pas de place au hasard. On ne peut pas se dire peut-être que ça passera avec un peu de chance. Peut-être que l'autre sera moins en forme. Peut-être que l'autre ne saura pas faire ci ou ne saura pas faire ça. On doit savoir tout faire. Il faut travailler techniquement, tactiquement, physiquement, psychologiquement. On doit être au maximum tout le temps. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on ne peut pas accéder à un ring, à un combat, rencontrer un adversaire sans avoir travaillé. Si on ne s'entraîne pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne peut pas lever les bras, être fier d'une réussite s'il n'y a pas eu un travail derrière. C'est impossible. J'ai pratiqué la boxe française en compétition pendant plus de 20 ans. J'ai décidé d'arrêter parce que je pense que déjà à notre époque, en 98, dans les années 2000, la fédération ne faisait pas le nécessaire pour intéresser les jeunes à pratiquer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté de développer cette discipline, puisque nous, en étant compétiteurs et en vivant le sport à fond tout le temps, c'était notre quotidien, on savait ce qui devait être fait par la fédération, c'est-à-dire que notre sport est certainement l'une des plus structurées. On a certainement les meilleurs profs, sans être chauvin, et je le pense sincèrement, on a les meilleurs profs. Et on a vraiment une structure fédérale intéressante pour la structure amateur. Je pense qu'une structure professionnelle était indispensable pour l'évolution de cette discipline. Si on ne développait pas ce que j'ai défendu pendant longtemps, c'était le professionnalisme. On ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas d'autre possibilité, en ayant pratiqué le sport comme un professionnel, j'ai eu la chance, moi, de peut-être parce que je plaisais un peu plus, j'étais demandé un peu plus, donc ça me permettait d'en vivre sur une discipline amateur. Mais la seule possibilité pour faire exploser ce sport, que ça devienne un sport national, il fallait intéresser les médias, et pour intéresser les médias, il fallait absolument qu'on organise ça comme des professionnels. Et je pense que le déclin de la boxe française, on ne voit quasiment plus de combats à la télé, télévisés. Les combats sont de moins en moins importants, et je trouve ça vraiment dommage. C'est une discipline très noble, et je pense sincèrement que mon objectif aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait peut-être s'il y avait une volonté de développer cette discipline au niveau professionnel, je serais certainement un des premiers à le faire. Il n'y a pas de problème. Je voulais remercier également toutes les personnes qui m'ont toujours suivi dans mes compétitions, les personnes qui m'ont aidé à arriver au niveau où j'étais. Je peux remercier bien sûr Alain Guillard et Hervé Brolandais, qui ont été les personnes qui m'ont monté au plus haut niveau. Et je remercie également Paul Raymond Button, qui fait le maximum maximum ici à Laredo, aux États-Unis, pour essayer de développer et lutte contre, pour maintenir la savate sur l'État américain. Voilà, merci à tous.